Bonjour, bonsoir, je dis assez mardi 20 juin 2023 et c'est journée internationale réfugiés. Donc, le monde commence à monter là, salut nous et nous espérons que vous avez passé une très bonne nuit et que vous avez bien réveillé matin pour que vous continuiez sur le programme que nous préparons pour vous. Soudé à visiter le site internet, non, on va une nouvelle sur d'abord gagné et président américain Joe Biden qui est actuellement trouvé en Californie. C'est dans le programme qu'il a participé. Et puis gagné gouverneur état californien, nous sommes qui baille gouverneur état Floride là, Ron DeSantis Madichon. Pour président Donald Trump battre jusqu'au coup, c'est-à-dire battre rapidement l'élection primaire parti républicain. Et puis, il y a tout petit président Joe Biden, M. Hunter Biden, qui plaide coupable pour deux, ça, les misdémineurs, deux félons, des bails. Une, d'abord, le fait que les papiers taxes fédéral pendant 2 ans, mais 2017 et 2018. Et l'autre là, c'est parce que il était possédé des âmes pendant que le tape utilisé. C'était toujours d'achat d'âmes en 2018, mais pendant que le tape utilisé drogue illégale. Son gros dossier lié, mais son entente que et commissaire du gouvernement et Delaware la joigne avec petit président Hunter Biden. Et son dossier qu'il a longtemps, depuis pratiquement 5 ans, mais finalement son chapitre que vous voulez fermer, et le fait que le plaidé coupable. Mais là-dedans, le plaidé coupable là, Pablo dit que ça qui vient là-dedans, en juin, et pour que Hunter Biden accepte tout pour lui rester, pour suivre un programme, soit faire traitement, drogue, anti-drogue pendant 2 ans, pour le rester en dehors, pour ne pas tomber dans aucun problème avec la justice, et aucun B dossier ça pour lui. Et en attente. Et si pendant 2 ans, il n'est pas tombé dans rien, eh bien, il n'y a pas mis dans le dossier. Mais ça veut dire que Hunter Biden pas aller dans la prison. Et loi qui gouvernait, et que ce soit CHZ AM, et pendant qu'on a utilisé des drogues illégales, là, monsieur était capable de passer jusqu'à 15 ans de prison. Mais finalement, son chapitre qui fermait, et Hunter Biden, petit garçon président Biden, non, et bien, il des coupables pour deux chefs d'accusation seulement, après entendre que le jeune avec le commissaire gouvernement Delaware. On a rappelé que le commissaire gouvernement, ça, c'est ancien président Joe Biden, ancien président Donald Trump, qui était nommé dans le poste là. Et le président Joe Biden était monté dans que s'il tape une enquête sur Hunter Biden, et bien, il était crainte que le président Biden n'a pas le retiré de la position. Mais le ministre de la Justice a dit non, 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 on a quitté le poste pour lui continuer, faire enquête lui. Et prendre n'importe toute décision que lui trouvait qui est nécessaire. Et donc, la Maison Blanche, entre-temps, eux-mêmes, tout, ils ont fait déclaration, puis ils ont dit, ils n'ont pas gagné rien pour y'a ouais dans la décision que le gouvernement prend concernant le petit président. Vous entendez ça? Ils n'ont pas gagné rien pour y'a ouais, ils n'ont pas fait aucune pression sur le gouvernement qui agit indépendamment et qui prend décision pour lui et joindre, en fait, joindre, mais joindre ou entendre tout à l'amiable que les deux parties, c'est. C'est ça que les win-win, tout le monde gagne. Donc, petit président, malgré que les plaidé coupable pour crime, non, pour possession, d'abord, peut-être qu'il n'a pas payé taxes, parce qu'ici, il n'a pas payé taxes fédérales, son crime lié, bon, plaidé coupable parce qu'il n'a pas payé taxes pendant 2 ans, que le paye qu'on y a, il paye comme là. Et puis, tout, il a acheté 11 âmes à feu. Pendant que dans le moment ça, il a utilisé drogue illégale. Son problème que les familles ont longtemps, il a goumé monsieur pour être si capable de voir une sorte de réhabilitation. On a dit que tout, monsieur, tout est dans. Il était une branche là, mais américaine, mais il était obligé de voir l'aller pour protéger une qualité positive pour une drogue. Donc il était voué l'aller, donc il n'y a pas de Kimberly. Alors que dans l'époque là, Papa était capable soit vice-président, parce que M. 53 ans qu'on y a,
et papa était toujours en position comme sénateur ou bien encore comme vice-président américain. Donc voilà un dossier qui est censé fermer, un chapitre qui ferme. Donc nous parlons dans l'autre nouvelle qui est vraiment de l'actualité en Haïti, qui est employé APN dans la ville cap-haïtienne qui a manifesté hier, il a fait un pile de blousailles pour protester contre le directeur bureau régional là que Negame inconnu a kidnappé pendant le tabal dans Port-au-Prince. Il a kidnappé monsieur et mon été manifesté pour demander de libération. Et je dis encore, il a menacé encore pour descendre sous béton encore si il n'a pas de libération. Mais il a dit que ravisseur et mon qui kidnappé monsieur, et bien lui-même, il a donné une grosse somme d'argent pour libération. Donc, c'est un dossier que nous avons dit que le directeur APN, dans APN Cap-Haïtien, sur les Pierre Richard Joseph. Et puis, il y a un expert des droits humains des Nations Unies. Et l'expert des droits humains des Nations Unies, c'est William O'Neill. Et bien, monsieur, il vient en Haïti depuis hier, côté de la fond visite. Et pour justement garder la situation des droits humains en Haïti. Et la question de la en Haïti, en fait, visite à Kimbel en Haïti jusqu'à pratiquement le 29 juin. Et pendant la visite là, il est pour le rencontrer Madame Saint-Louis, Madame Gladys Saint-Louis, salut, bonjour, bien content de rebrancher. Et puis, alors, on a dit que l'expert de la des Nations Unies, qui est en Haïti jusqu'au 29, et pendant la visite là, il est rencontré avec l'officier du gouvernement, parce que le premier ministre Ariel Henry, il est pour le rencontrer avec le ministre de justice là, et Emily Prophète, il est pour le rencontrer avec Mme Marie Salvador, qui est représentante des Nations Unies en Haïti, qui est même responsable et BINU. Et puis, il est pour le rencontrer avec l'autre membre de la société civile là, avec l'organisation des droits humains. Avant d'y aller cap haïtien côté le tout faire même bagarre tout rencontrer avec différents secteurs et puis très certainement d'habitude avant le parti avant de quitter Haïti et ben la rencontre à journaliste pour très certainement faire un compte rendu. Donc monsieur en Haïti depuis lundi 19 juin 2023. Et dans l'autre nouvelle toujours, il y a un premier ministre Ariel Henry, et bien, monsieur souhaite quitter Haïti aujourd'hui, monsieur pour aller en France, quand il pourra participer dans une série d'activités, et pendant deux jours, donc, ça veut dire que pratiquement pendant tout, c'est jeudi à 20, donc c'est soit 21-22, ou bien, il n'y a aucun net, donc il a de retourner en Haïti encore dans la fin semaine. Donc, nouvelle là, c'est que le premier ministre Ariel Henry, nous connaissons qui en pour parler avec l'opposition et les parler à Paris et sur la Josia. Classe politique là qui était censée aller participer dans le forum politique qui était gagné dans Kingston, Jamaïque, la semaine passée, eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de grande entente qui joue sous façon pour le pays à gouverner. Chaque parti a campé dans la position. Par exemple, il y a un groupe. En fait, il y a des gens qui disent que il y a 6 propositions qui sont tapis à Kounia. Alors, si nous disons qu'il y a une proposition qui voulait que il y ait un gouvernement à deux têtes, un gouvernement bicéphale, donc il y a un premier ministre avec un conseil présidentiel, ou bien un collège présidentiel qui est capable de gagner 5 membres. Mais qu'il y a un gouvernement de salut public pour un groupe, il y a un gouvernement de consensus pour l'autre groupe, un gouvernement d'ouverture. Mais en fait, le collège présidentiel là, c'est lui qui peut-être qui vient de temps en temps. Les gens qui ont supporté le pouvoir, c'est les gens qui sont d'accord, 21 décembre, ils ne sont pas d'accord, mais ils veulent pour un gouvernement monocéphale, donc gouvernement qui a un pouvoir exécutif là-dedans, qui a la tête li un premier ministre, dont Ariel Henry, et puis il a flé tout, il a d'accord pour élargir le gouvernement, pour entrer l'autre membre, nouveau monde là-dedans. Et puis, bon, le premier ministre a dit qu'il va avoir l'autre petit poste, donc il va avoir un poste chef section, il va avoir un poste magistrat communal, il va avoir un monde qui veut entrer dans le gouvernement, il va avoir un poste magistrat communal, et même dans la diplomatie, ou bien il va avoir un poste de direction générale, et peut-être faire une ouverture, remplacer quelqu'un dans le gouvernement, genre que les États-Unis, par exemple, qui continuent à encourager à ce que acteurs concernés
je nous entends parce que l'État américain que les solutions sont solutions haïtiennes que les. Donc jusqu'à présent, personne n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord donc, et sous façon pour d'abord pour le gouvernement dans le pays et qui gens qui pourraient capable de déboucher sur ça, l'organisation des élections. Il y a l'autre condition qui pose tout, mais en principe, on n'est pas bougé. On n'est pas bougé seulement à prétendre, parce que quand il est pour mettre pour retourner, pour venir faire parler encore avec l'acteur, c'est simplement prendre le côté de l'IA et puis continuer. Mais il y a des irritants qui sont toujours sous table et qui n'ont certainement pas montré personne que la solution, la crise Haïti, la solution c'est pour demain que dire. Donc ça c'est une aussi, et puis le dossier Canada. C'est un pays Canada qui a parlé ça, lui, non? C'est Mike Pierre. Et bien, dossier Canada, Canada l'a bombe dans la ria. Après, la vie dans un programme qui a annoncé dans cette semaine, c'est Miss Affaires étrangères la même, Madame Jolie, qui a annoncé lui, et que tu as parlé au bureau en République dominicaine pour gérer assistance pour la police nationale là. Ça qui fait que d'abord, les Dominicains n'ont pas d'accord. En la personne du ministre des Affaires étrangères dominicain, les sorti en grand pan pour dire que nous pas adhésion ça ou bien encore entendre ça avec Canada. Donc, ils n'ont pas d'accord. Il y a une classe, un segment de la classe politique qui lui-même dit qu'il n'est pas d'accord. Et à ce que ça. Haïti, pour officiellement, le gouvernement haïtien n'a pas dit rien sous question. Mais dans la classe politique, il y a un secteur. La classe politique n'a pas réagi, mais il y a un secteur dans la société civile qui a réagi. Il a dit que il y a une façon de leur aide, il y a une façon pour aider la baille. Et que parti qui a pour recevoir aide là tout, il y a un droit tout pour dire que le pape n'est pas arrivé aide là parce qu'il y a aide de baou, son sort de poison, son aide empoisonné de baou, donc il faut être capable de croire pour dire qu'on peut avoir aide là. Et puis pendant ce temps, l'administration américaine a beaucoup de parler, encourager les acteurs, travailler ensemble, sortir avec une solution, je ne sais pas parce que vous voulez parce que solution, son solution haïtienne. Canada défend tête li, que je suis ambassadeur Canada en Haïti, qui défendent elle, il dit que bon, oui, nous avons toujours mettre bureau en Haïti, bon, mais si nous ne sommes pas à la République dominicaine, nous avons mettre nous l'autre côté, etc. Mais bon, c'est des entrées-sorties, etc., qui gagnent ce dossier. Mais jusqu'à présent, un peu qu'on finit clair sur la question là. Et puis, il y a une banque centrale et, qui a annoncé que les fonds progrès dans le système bancaire, le problème qui est dans le système bancaire, ça a l'esprit qui est un système. Et côté ou capable faire transaction de banque à banque qui a un problème sur un passage a annoncé et bien il a annoncé que yo joine constaté un progrès qui fait qu'il y a pas de solution en fait non mais yo une solution quand même entre-temps et programme qu'on a continuer fait son base manuelle donc tout le monde qui a, mais ça va transaction internationale il y a continué même il y a un problème ça problème qui est un problème qui est purement local mais en plus le monde te dit que besoin de vérité mais la banque centrale a pris notre sortie là mais notre la pas fini par trop de détails seulement dit que dit constater qu'on une amélioration qui fait dans le système bancaire là donc très certainement c'est pour bien et client yo et puis nous te dit que le président Joe Biden est actuellement en Californie nous reprenons pour petit président Joe Biden Hunter Biden il peut des coupables pour deux chefs d'accusation, comme quoi il n'a pas payé taxes pendant 2 ans, et puis qu'il était possédé 11 âmes dans le moment qu'il a utilisé des drogues illégales. Donc, deux bails qui peut-être a fermé une enquête qui a mené sur depuis plusieurs années, mais en retour, il va aller en prison. Donc, c'est dans de là où même ça fait, côté que l'IPD coupable, et comme c'est qu'on a accusé pour ça, mais il y a une probation, une période probatoire de 2 ans, pour être en dehors de la loi, pour ne pas avoir un problème avec la loi, avec tout, pour éviter un problème de drogue, j'ai que Jean qui a commencé à mêler, et dans le drogue, ça, que. Par famille, il y a des gens qui ont fait l'effort pour eux. On centre de réhabilitation, mais qui n'est pas en mode. Mais finalement, il y a un autre dossier toujours, et que l'ancien président Donald Trump a ouvert enquête comme si il était membre et comité de direction d'une entreprise gaz en Ukraine. Et tout ça a demandé est-ce que ce n'est pas des privilégiés que privilégiés, est-ce que c'est vrai. Donc, enquête a mené et sous lui, mais finalement, il y a son chapitre qui ne va pas fermer.
après entente ça que Hunter Biden joint avec commissaire gouvernement dans autorité de la justice dans Delaware, très certainement qui c'est côté que monsieur était naissance. Et puis ici dans Miami, il y a toujours des auditions et deux prisonniers qui taguent pour eux dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est d'abord Solage avec Sanon. C'est deux ou trois qui sont représentés devant le tribunal fédéral aujourd'hui et très certainement pour aller dire ça, vous connaissez, ou bien encore pour aller dire si ou non il est coupable. Nous avons que l'autorité fédérale américaine est déjà condamné pour prison à vie et Oudon Char qui est même tout, était bail comme monde qui est auteur matériel, qui est bail matériel, c'est-à-dire assistance technique et économique à monde qui est venu en Haïti et qui a participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Et puis, il y a tout l'OTAN fait un gros exercice militaire aujourd'hui en Allemagne. Nous rappelons que le secrétaire général sortant Stoltenberg, et bien, il a toujours battu, on satisfait sur ce qui passé. Et bien, il dit qu'il a fait ça capable lui-même pour que l'espère que l'Alliance a toujours été fort, même les l'aller. Et puis, il y a le président cubain, Diaz-Canel, il visite le Vatican aujourd'hui. Côté, il était alors le pape François a reçu en audience. Donc, pour discuter très certainement, questions régionales et attachement, ou bien encore, qui gens que le Vatican a gardé et pays dans la région. Et très certainement, dossier sanctions, ou bien encore embargo qui s'occupe. On sait de dossiers qui étaient certainement intéressés au Vatican. Et alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas visité les Nations Caraïbes. Et qui s'en est pour nous encore, par voilà. Et puis nous parlons de jeudi à la journée mondiale et réfugiés. Dans l'occasion, nous avons une émission spéciale sur le coordinateur de la monde qui sont des réfugiés. Mais haïtiens, qui sont des réfugiés, que ce soit aux États-Unis, et dans différentes villes américaines, ou bien encore au Canada, et au Brésil, et même au Mexique. Au Mexique, donc nous avons un viron pour nous rencontrer avec haïtiens qui décident qui rentrer dans le pays légalement et qui peut-être viennent de statut réfugié et qui gens eux-mêmes qui gens ont fait face avec difficulté leur faire entrer, qui gens ça pour eux, qui amélioration fait dans vie et qui ont tout bas venir pour aujourd'hui, ce qui changement gain etc et qui conseille tout gain pour nouveau monde, bien nouveau réfugié qui vient aux États-Unis, etc. Donc, nous avons un viron sur sa net, côté que nous avons des témoignages et compatriotes, nous-mêmes qui ce soit. Et par exemple, nous avons dans Tijuana, par exemple, nous avons un haïtien qui lui-même était entré, il a eu le choix d'aller aux États-Unis, il était venu aux États-Unis à l'époque-là, mais il était choisi d'être au Mexique, et là, il était au Mexique, et il a eu autant de témoignages, il s'est réalisé. En tant que tel, il dit que l'on a une opportunité pour sauter sur lui. Nous rencontrons l'autre monde tout, qui est au même tout. Il y a un restaurant, par exemple, qui a commencé à faire activité et comment que même. Nous rencontrons l'autre monde tout, qui a des difficultés, qui est entré et qui est le moment, nous commençons à la part facile pour eux. Mais après, il y a un donc nous avons différents collègues nous qui à travers les États-Unis, nous avons tout qui a sorti dans San Paulo au Brésil, nous avons tout dans Tijuana au Mexique. Nous avons eu l'occasion de Miami, nous avons eu l'occasion de Boston, toutes ces gens qui parlent exactement de situation et réfugiés, qui ça veut dire, et lors ces réfugiés dans un pays. Eh bien, moi c'est là où nous sommes capables de camper avec, et puis nous te parlons de situation la banque en Haïti, Banque Centrale, qui dit constater une amélioration dans le système bancaire là, côté client pas capable de faire transaction de banque à banque. Donc il dit qu'on s'est en amélioration, mais il n'a pas dit exactement ça. Ça veut dire amélioration qui est là et qui est là pour retourner dans le normal.
Et puis nous autres, et Premier ministre Ariel Henry pour aller à Paris. Et président Biden trouvé la chaîne en Californie. Et puis il y a pour plus petit deux prisonniers que FBI a été arrêté en Haïti sous arrêté sous dossier et l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Eh bien, eux-mêmes, c'est monsieur, c'est Sanon avec Soulage, eh bien, eux-mêmes qui pourraient parler devant le tribunal fédéral dans Miami pour plaider, pour dire si oui ou non, ils sont coupables sans résumé. Et puis. Yeah, elle a. Et puis, je dis à un rappel, c'est journée internationale et réfugiés. Donc, on a fait le plein. Le plus sur les réfugiés, sur les statuts réfugiés, et bien, nous allons parler de notre nouvelle tour, par exemple, situation politique là, côté classe politique, pas branlé, chaque monde était sous position par eux, soit avec la crise du pays d'Haïti, et personne ne parle qui gens, chaque monde était sous position par eux, il y a des gens qui voulaient un gouvernement sans Premier ministre Ariel Henry, parti qui a supporté le Premier ministre Ariel Henry, il voulait un gouvernement avec Premier ministre Ariel Henry comme chef. Mais il y a l'autre qui dit que qui ont porte ouverte dit que si au table mettait Premier ministre nommé Premier ministre Ariel Henry groupe 21 des sénateurs nommé Premier ministre Ariel Henry comme membre collège présidentiel là qu'a fait mais voulait que un nouveau gouvernement un nouveau premier ministre donc c'est toujours des irritants qui étaient certainement montés qui n'a marqué pas sur place et communauté internationale entre temps l'attend parce que il y a un bagage concentré c'est conditions pour remplir. Et puis, pour que l'élection soit déroulée dans le pays, et puis CARICOM confirme lui-même, il n'y a pas voué et militaire dans le pays d'Haïti. Jean que je t'ai demandé, après les États-Unis disent lui-même, il continue à chercher pour rejoindre un pays qui est d'accord pour le prendre tête. Il y a une force multinationale qui pourra le courir pour l'essentiel là. Mais en attendant, tout pays qui a été gardé, tout pays qui a fait bac, pas d'accord, etc. Donc, sort de ce qui est là. Donc, je dis à ce mardi, c'est moi-même qui est là. Je m'appelle que Jacques est en vacances. Donc, c'est moi qui ai pris la place jeudi. On a pensé pendant toute semaine, ça a net. Et puis, semaine prochaine, c'est Valérie qui va venir. Et Valérie en vacances, tout. Donc, je me dis deux bras. Un bras droit, un bras gauche. Valérie en vacances, Jacques en vacances. Mais nous, là, nous sommes comme nous avons des ressources. Donc, nous avons quand même une capote de choix. Ou ne pas même sentir que nous ne sommes pas là. Comme habitué avec eux, nous ne pas là. Mais ça a bien nous la quarantaine de. Et bien, bah, tout à plat quand même. Merci, Madame Jean-Baptiste. Ok, d'accord, vous avez passé une très bonne journée. Nous avons encore dans le journal Radio sur télévision. Vous êtes bien content de parler avec nous. Nous avons demain encore moi-même. Même côté à la, dans même basi dans même Léano, mais approximativement dans presque dans le ça. Ma vie encore, ça dépend qui j'ai disponible. Bye bye tout le monde. À plus tard. Bye bye.